Salut. Bon, ça faisait longtemps tout ça, comme d'hab, voilà. On est de retour sur Visage. Alors, Visage, j'y avais joué. J'avais fait un petit truc à l'occasion d'Halloween. Je me rappelle plus de rien. Je crois que l'intro était super glauque. Il me semble, mais je suis pas sûr. J'ai un doute, peut-être que je confonds le jeu. Peut-être cet espoir. Il s'avère que, pour une raison qui m'échappe complètement, mon record est nettement plus clair que mon écran. Ce qui fait que j'ai dû baisser moi la luminosité de mon écran, enfin la luminosité du jeu, pour déjà pas que ce soit trop saturé non plus pour vous, et pour que ce soit suffisamment sombre quand même, mais au moins vous pourrez y voir quelque chose. On va recommencer un nouveau jeu, parce que comme je l'ai dit, je me rappelle plus de rien. Et de toute façon, voilà, comme le format a changé. Alors par contre, me dis pas qu'il a enregistré le fait que je jouais manette. Saloperie, s'il a enregistré. Yes. Eh ben écoutez, on va jouer à la manette. Ça va être terrible, ça. Oui, Visage est difficile. Non mais même là, ça sature. Je comprends pas. Bon, du coup, j'ai pas mis de fond vert parce que je me suis mis dans le noir. Là, je suis éclairé juste à l'écran, au PS de retour sur le deuxième écran. Voilà. Parce que bon, c'est un jeu d'horreur, bordel. Avoir de la lumière dans la gueule, c'est pas immersif. Ouais, c'était bien ça, hein. C'était bien cette intro-là, ouais. Ouais, je me rappelle bien, donc là, âme sensible s'abstenir, personne trop jeune s'abstenir également. Ne faites pas ça chez vous aussi. Également. Ça va pas être très agréable. Voilà. Mais on peut noter qu'il y a une certaine minutie, hein, finalement. Ah non, quoique non. Bah non, j'ai dit de la merde, non. Parce que je croyais qu'il avait pile le nombre de balles qu'il fallait. Mais en fait, non. Hein. Est-ce que je peux bouger la caméra? Non, je peux passer la scène cinématique si vraiment... si vraiment je suis trop dans le mal, mais... Ah oui, non, il a pile le nombre de balles qu'il faut. Ah oui, non, bon, au moins ça règle la question, moi. Au moins, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de chance. C'est pas la roulette russe, finalement. J'espère en vrai que ça fera pas trop lumineux. Hein. Le problème, c'est que je sais pas trop. Ouais, il faudrait mettre un filtre par-dessus, quoi. On verra. C'est bien, je vais peut-être potentiellement censurer un petit peu ce qui se passe. Bon, pas là. Là, en l'occurrence, non. Ouais, en fait, non, je censurerais rien du tout. Le pire, c'est qu'avec l'écran lumineux, c'est encore pire, du coup. J'arrangerai ça au montage, hein. Ouais, non, parce que bon, là, bon, c'est pas grave si on n'y voit rien, je veux dire. Hein. C'est un jeu d'horreur, bordel. C'est vrai qu'il te mettait bien dans l'ambiance directe, ce sale jeu. Hein. C'est vrai que c'était... Direct, tu commences, t'es en mode... Ah ouais, Par contre, non, mais je vais jouer sur cet écran-là, c'est pas possible, hein. Genre, y a un écran où j'y vois et un écran où j'y vois pas. Bon, j'exagère. Non, mais par contre, c'est abusé. C'est. Je joue pas. C'est pas moi. Bon, évidemment, hein, je me rappelle plus de rien. RT. RT. Ah oui, mais RT, c'est... Oui, bon, R2. Salle de progression, ok. Ouais, les objets qu'on récupère à la fin de chaque chapitre. Oui. Non, mais alors, par contre, attendez. Bon, là, bon, ça m'a l'air un peu mieux. C'est encore un peu éclairé. Mais on va dire qu'en vrai...
Ça vous permettra de voir un peu quoi sur votre écran. Finalement, ça peut être bien à du YouTube pour ça quoi. On va espérer. Bon, j'ai entendu un bruit bizarre quand je faisais ça en boucle. Mais c'est les bruits de la maison. Je peux pas courir. Si. Je peux zoomer. Je peux répondre au téléphone si je voulais. Ouais, vas-y, réponds. Je crois qu'on avait répondu, je sais plus. Allô? Hello, Twain. It's Rose, Oh, your on a neighbor. des... Je sais plus si on avait des sous-titres. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Bye bye. B. Non mais c'est pas possible d'avoir des escaliers grinçotants quoi. Alors en fait j'ai vu que je pouvais jouer au clavier à tout moment. En fait, je peux backtrack. Je peux backtrack quand je me rendrai compte que c'est vraiment une idée de merde de faire ça à la manette. Ouais, non mais. Parce que c'est pas du tout que j'ai des gestes saccadés, mais un peu quand même. Je peux vraiment. Ah ouais, je peux tous les prendre. Ça, c'est un peu glauque quand même. Ça va, ça, bon. On dirait une sorte de moustique. Sans les ailes, quoi. Donc tout va bien finalement. On est tout petit en fait. On est tout petit. Oui, non, mais bah, attendez, oui. Vraiment? Je me rappelais plus de ça. J'ai l'impression de jouer un enfant, du coup. Ou de me jouer IRL. Non, mais attendez, non, mais c'est pas possible, je suis baissé là. Oui. D'accord. Alors, en même temps, c'est glauque, en même temps, c'est un chat, donc ça va. Mais quoi? Comment ça? Ah mais oui, c'est vrai que tu perds de la santé mentale quand tu restes dans le noir dans ce jeu de mort. Ouais, bon, un délire avec la lumière. Voilà, santé mentale affectera le gameplay, rester dans le noir, icône de cerveau, des événements dangereux surviendront, l'icône du nuage rouge apparaît, la santé mentale au personnage diminuera, mais de la lumière. Mais non, mais éteins pas tout! Non, c'est pas vrai, je suis pas méfiant. Oui, bon, voilà, des événements paranormaux se produisent. Apprenez à les identifier, ils entravent votre progression. Mais comment t'identifies ça? Ça se passe de manière aléatoire. Ça, je crois que je l'avais pas compris. Ce petit délire-là. Non mais tais-toi. Ouais. Mais c'est nous, Dwayne Anderson, si je dis pas de bêtises, de mémoire. De toute façon, c'est ce qu'elle disait, la personne au téléphone. Changer de main. Non, je veux pas changer de main, je veux. Nick. Mais non, j'ai pas. Voilà, reste à la lumière. Attendez. Voilà. Ça, et là, je fais A. Non. Mais au secours. Ah, voilà. Ok, là, j'ai l'ampoule. Donc là, je peux démarrer un truc là. Si je prends les clés. Je sais plus ce qu'on avait pris. On avait fait un truc. Est-ce qu'on avait pris les clés ou on avait pris ça? Je sais pas. Je crois me souvenir avoir pris les clés. J'ai souvenir d'être allé là. La clé du sous-sol requis.
Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Pourquoi je vais là, moi? Prends les pilules. Ah, tandis que la manette. Les comprimés vous aident à rester sain d'esprit. Ouais. Donc oui, c'est super important. Mais comment je fais pour le mettre directement dans mon truc? Mais non, mais mets-le! Voilà. Non mais tout va bien. Je veux dire, il se passe pas des trucs chelous. Les chiottes sont pas dégueulasses. Vraiment, tout va bien. Tout va bien dans ce jeu, quoi. Mais surtout qu'en fait, non mais en vrai, là je visite. Donc normalement déjà il doit rien pouvoir m'arriver. J'imagine, tant que je déclenche rien. Hein? Connard. Je m'éloigne au cas où. Ok. Crois qu'on était allé ici. Ouais, bon, bah la lumière. Non, mais. Monte pas sur le lit, connard. Ouais, non, mais on n'y voit rien. On n'y voit rien. C'est flippant, on n'y voit rien. Y a pas une lumière là? Je regarde avec le deuxième écran voir si. Attendez, avec l'autre écran, je verrai peut-être un interrupteur que je vois pas. Ok, c'est bon, il y a une lampe. Non mais elle est. Il y a un problème d'éclairage dans cette pièce. Hein. Bon. Les voisins. Oui, les spaghettis en cercle. Super. Ah oui, d'accord. Ah, laissez-moi passer, c'est mon bébé, c'est notre enfant. J'imagine que c'était écrit ça, mais je sais pas où. J'ai pas repéré. Bon. Non, mais au moins, en fait, j'apprivoise mon environnement. Bon, là, j'apprivoise rien du tout, parce que j'y vois rien. Mais. Elle est jolie, la lumière. Pourquoi ça a sonné? Pourquoi il se passe des trucs chelous dans ce jeu? Mais même en fait, même avec l'écran où je suis censé y voir, j'y vois rien là. Je crois que c'est bon du coup. Y a plus de bruit là? Ah, c'était ça qui a sonné. Y a quand même une aura dans ce jeu, hein. Il y a un truc malsain dans ce jeu. Tu sens qu'il va pas bien. D'accord. Donc, ok, on peut prendre le panda. On peut prendre la clé. On peut prendre. Comment ça s'appelle là? La béquille. Pour lancer des chapitres. Sachant que je sais pas s'il y a 3 ou 4 chapitres dans le jeu. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est verrouillé, rien n'indique quelle clé. Ouais, bon, d'accord. Une map monde. Ah, je peux m'asseoir. C'est cool. C'est bon à savoir, hein. Écoutez. Ouais. Ah, oh, une clé! Il existe deux types d'objets, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés quand c'est possible dans votre inventaire dynamique. Les objets clés sont essentiels pour votre progression. Eh ben, j'ai trouvé la clé du canalisateur électrique. Générator. Par contre, ça m'inquiète un peu, j'ai trouvé un truc alors que j'ai rien déclenché normalement. Est-ce qu'on peut mourir avant d'avoir commencé? Après, si ça se trouve, j'étais mort hein, dans le truc que j'avais fait, je m'en rappelle plus. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi je me souviens d'aussi peu de choses.
L'intro m'avait un peu marqué quand même. Étrangement. Je sais pas pourquoi. Mais je sais plus, je me rappelle, on est allé dans la cuisine. Dans la cuisine. Alors après, le reste. Si, on n'était pas allé dans une chambre aussi. Je sens qu'on est allé dans la chambre. Mais elle était pas comme ça. On n'a pas de reflet. Il y a plein de pilules là. Bon, la canette de bière, je pense qu'on s'en fout. Comment tu la lâches? Lâche-la! Au secours. Prends ça. Et ensuite, faudrait qu'il y ait un truc, un raccourci rapide. Il me semblait qu'il y avait un truc rapide pour le faire. Après, c'est peut-être parce que je le faisais sur le au clavier et que je le faisais plus vite du coup. Là, on est un peu trop dans le noir pour lui, du coup il stresse. J'ai pas envie d'ouvrir ça en vrai. En même temps, le truc c'est qu'il peut y avoir des clés. Moi, je veux trouver les clés avant que ce soit la merde. Parce que si on a toutes les clés, on peut tout ouvrir. On est déjà bien. Non, accroupi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah, il y avait un délire de poupée russe aussi, ouais, je crois. Non, 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 allez, fais coucher. Yes. La bonne ambiance ici. Et encore ce panda de mort là. J'ai pas trop envie d'aller voir le monsieur panda. Je sais pas pourquoi. C'est marrant. De cette perspective-là, tu peux penser qu'il y a quelqu'un. Par contre, à laisser tous les trucs ouverts. Est-ce que je prends pas le risque que tout se ferme d'un coup et que ça me fasse super peur et que mon personnage lui pète un câble? Huh. Je crois qu'on avait pris la clé, hein. On va prendre la clé. Dans tous les cas, on va prendre la clé. Le chapitre de Dolores, un rêve retors. Je crois que c'était ça qu'on avait fait. J'espère. J'espère. Non mais... Maintenant que j'ai la clé. Bah, utilise ta clé. Ah putain, mais oui, ça me parle ce délire de miroir à la con là. Il fallait faire ça, je crois. Ok, c'est bon, on a réveillé la bête, hein, j'imagine. Toujours pas moyen d'ouvrir ça. Ah bah ouais, y a plus de miroir. J'allais t'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est ouvert là-bas. Yes. Bah après, genre. Je sais pas pourquoi je fais genre je suis surpris hein. Trouver une note. Oui, bon, attends pour la note. Attends pour la note, je me mets là et je dis ta note. Alors, tu cherches la clé du garage? Elle est probablement dans la poche de ton jean à la buanderie comme toujours. Pense à me remercier, mon chéri. Eh ben écoute, visiblement, je n'y manquerai pas. Ou je n'y ai pas manqué. Pas sûr que par contre que ça t'ait fait plaisir. C'est pas la bonne clé. Laissez-moi sortir. Yes. Putain, je me sens observé quoi, c'est terrible, hein. Genre. Je sais pas. Je sais pas, j'ai une sale impression quoi. Na 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 na.
Ouais. On voit qu'il n'y a rien. MDR. Ouais, bah oui, j'ai vu du coup, j'ai vu, oui, j'ai vu. Se passe bien. Non, tout se passe pas bien là. J'ai envie de penser que tout se passe pas si bien que ça là. Pensez que je suis caché là? Pensez que là je suis genre. Là j'ai la vision floue parce que je suis caché. Comment ça marche en fait dans le jeu? Comment tu te fais buter et tout? C'est ça la question que je me pose. Parce que, en vrai, je sais pas si. J'ai pas souvenir en fait d'avoir eu une réflexion là-dessus, sur le jeu. De qu'est-ce qui fait que tu te fais choper ou pas par le. Par un monstre, de. Comment ça marche en fait? Parce que par exemple, là, il y a une grosse musique qui se lance. Instinctivement. J'ai pas envie de rester trop proche de la musique. Y a quelque chose là. Hein. Si je fais le tour par là, je suis bon ou pas, vous pensez? Peut-être ça, hein, l'arnaque. Peut-être qu'il fallait faire le tour. J'espère. Je vais me faire choper par un truc, ça va pas me plaire. Et fais chier. Hein. Ah ouais, gna 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 gna, ouais. Le miroir semble montrer une pièce dans la maison. Hop, hop. Ok. Saloperie. Il m'a fait flipper parce qu'il a levé la tête. Le poignet est hors d'atteinte. Il faut que je trouve un moyen. Tout semble m'indiquer d'aller par là. J'ai pas du tout vu la vase. Par terre. Moi là, je suis bien là. Là, je sais pas pourquoi je me sens trop bien ici. C'est ma safe zone. C'est mon safe spot. Là, par contre, c'est pas moi qui fais des bruits de pain. Je crois que je l'ai. Ah putain, je l'ai pas remarqué là, mais j'avais vu, je crois, la première fois qu'il y avait plein de clés là. Peut-être pour ça, hein, qu'on n'arrive pas à l'ouvrir la porte. C'est juste qu'on n'a plus la clé, on sait plus laquelle c'est. Merde. Non, mais ce bruit était tout sauf rassurant. Hein. Clé du sous-sol. Je n'ai pas la clé du sous-sol. Mais quoi? Vraiment la radio quoi. Bah attends, hein. Attends, mets-toi tranquille, mets-toi bien. Et toi, tu te tais. J'ai pas envie d'être là, hein. Je sais pas pourquoi je vais là, mais. Mais je me dis qu'il y a peut-être un truc que j'ai loupé ici. Des photos. C'est où? Des photos d'une femme avec deux enfants. Tiens donc. Ça ne me rappelle absolument rien. L'appareil peut lire des cassettes vidéo. Oui, bien sûr. J'allais vous le dire. Ouais, faut pas. Je peux pas ouvrir de là. Faut que j'arrive de l'autre côté. On avait réussi à aller dans la cuisine. Pour moi, on avait trouvé la clé du sous-sol par là, en fait. Je sais pas, j'ai un souvenir comme ça. Par contre, là, il y a un truc, il y a l'air d'avoir un truc de ténèbres. Je sais pas, j'entends un bruit des ténèbres là.
Ah, c'est par là. Ah. Ouais, non, non, mais il y a un bruit des ténèbres, on va pas rester là. On va attendre. En fait, c'est ça le truc, c'est que comme je sais pas comment ça fonctionne, qu'est-ce que je pouvais prendre là? Ah oui, d'accord. Des cassettes vidéo peuvent être placées ici. Ok. Comment ça, des cassettes? Genre, en plus, on va en mettre plusieurs, quoi. Oh, mais... Voilà. Pourquoi il y a l'air d'avoir les ténèbres ici, là? On a dit que c'était mon safe spot ici. Pas de ténèbres. Mais ouais, on était allé là. Hein. Putain, mais ce bruit des enfers, quoi. Là, le jour où cette ampoule-là, elle craque, on est mort. Hein. Enfin, on n'est pas mort, mais on est mal, quoi. Ok, la cuisine. 3h33. Putain. Cuisine fermée d'un coup sec. Est-ce que si je lâche ça, ça se casse? Je crois que j'avais déjà fait l'expérience et que j'avais déjà été terriblement déçu. Sarah, la hauteur de Sarah, décembre, janvier, juin, tout ça, bon, tous les mois de l'année. Hein. Voilà. Il mesure les enfants, c'est mignon. Si seulement ça avait bien fini, quoi. Ça aurait été mignon. Mais comme on est dans un jeu d'horreur, ce n'est pas mignon. Laissez-moi sortir! Ah, non, en fait, non. Bon. Compris. Je sais plus, il y avait, je sais plus ce qu'on avait. On avait fait des trucs ici, mais je sais plus quoi. On avait trouvé un truc. Je me souviens qu'on avait trouvé un truc. Mais alors quoi? Ah, du chocolat en poudre. C'est peut-être ça qu'on avait. En vrai, je me demande si c'est pas ça qu'on avait trouvé. Hein. Ah, la poupée. Ah, bah c'est peut-être. Ouais, on avait peut-être trouvé cette poupée russe là. Ok. La clé du sous-sol, mais on l'a. Donc ça tombe bien. On va faire tout ça. Hein, Ah là, il y avait un truc à lire, non? Je sais pas, peut-être. Si. Pourquoi il y a eu mon icône qui a eu... À cause de ça. À cause de cette tasse de mort. On va commencer par pousser ça. Comme ça, on débloque le raccourci. Ça, c'est bien. Ah, par contre, ouais, non, mais je pense que je vais quand même repasser clavier-souris, hein, ne serait-ce que pour ouvrir les trucs correctement, parce que c'est long. Après, je me rappelle pas, et c'est peut-être pénible aussi avec la souris. Hein. Bon, y avait un truc de l'autre côté, mais. Mais j'oublie la raison. Ah ouais, je crois qu'on est. Bah, je crois qu'on est allé là. Hein. Ça me parle, Sandra. Par contre, ça me parle, mais. Ah, voilà. J'allais dire, ça me parle, mais beaucoup moins éclairé que ça. Ouais, voilà. Bon, allez, on va là-dedans. Il fait sombre, certes, mais tu peux le faire. Oui, je sais qui. Je sais, c'est l'obscurité, je sais, mais t'as de la lumière là. Fais pas chier. Fais pas chier, t'as de la lumière. Super, mais je fais quoi maintenant ici? Alors, je suis là, certes, c'est bien. À quoi ça sert? Oh! Ça c'est bien ça. Bon là-bas il y a un truc, on va aller là-bas.
Ah, il fait sombre. Mais la lumière. Oh oui. Ah ouais. Et le temps qui est bloqué à 3h33. Oh, les bruits de la maison, quoi. Ok. Bon, ça c'est chelou, mais ok. Non, mais t'es. Arrête! Arrête de flipper, t'es dans la lumière là! Je sais pas trop comment ça marche d'ailleurs, les taches rouges. Est-ce que c'est. Est-ce que là, du coup, c'est des seuils? Donc c'est mort maintenant? Ou est-ce que là, je fais ça bien? Alors attendez, on essaye de repérer. Putain, mais je repère pas. Je vois pas d'interrupteur. Ouais, on peut examiner des trucs là, mais il n'y a rien l'air d'avoir d'intéressant. Ici, là. Ah, là, il y a un truc, ouais. Un symbole à tranche dessus, c'est verrouillé. Y aurait le symbole de L dans Death Note. Retournons là-dedans. Est-ce qu'on a éclairé d'autres parties, là, du coup, de cet endroit de mort? Non. Ah si, on voit un peu là-bas. Bah vous, vous voyez mieux que moi, mais... D'accord. Fais demi-tour. C'est bon, j'ai compris, je fais demi-tour. C'est bon. Moi, je vois un truc qui se... Hein? C'est bon. Hein. Visiblement, on n'a pas envie. On n'a pas envie, c'est pas grave. J'accepte. Par contre, il faudrait faire soit demi-tour, soit continuer là-dedans, quoi. Bon, là-dedans, en vrai, j'aperçois la porte là. Mais il y a un interrupteur, là, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est que j'y vois rien, hein. Legit, j'y vois rien. Si je vous regarde pas le retour, je ne vois que dalle ici. Hein. Je distingue à peine la plante. Là, je vois rien. Voilà, on ne voyait rien non plus, donc ça tombe bien. Ah, mais en fait, il n'y a pas de lampe. Des bougies. Non, 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 mais c'est bon, je suis. On voit de plus en plus un cerveau quand même. Hein. Je sais pas s'il ne faut pas que je prenne des. Ah ouais. Il disparaît pas ça? Je fais comment moi? Je peux pas. Attendez, je peux pas placer de bougies. Enfin, je peux placer des bougies, donc je peux pas placer de lampe. C'est compliqué. J'ai peut-être raté des bougies d'ailleurs en vrai. Ça doit être ça. Bon, on va aller en arrière. Faisons backtrack. Mais ça y est, je vois plus mon cerveau. Donc non, ça doit se guérir si c'est léger. Non, parce que là, on s'enfonce dans les ténèbres. Bon. Peut-être pas la meilleure idée. Non, mais allons par là. Ah, si, si ça s'allume. Elle a l'air un peu trop accueillante pour être honnête, cette pièce. C'est sûr, il va y avoir une couille dans cette pièce. Mais c'est la buanderie. Donc là, je devrais trouver la clé du garage. Pas pressé, hein. Allez, l'interrupteur. Garage. L'interrupteur, il est là. Ça se passe trop bien pour l'instant. Oui, non, c'est le bruit de la chaise, c'est le bruit de la chaise. Y a pas d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire. Mais après je m'en vais, j'ai pas dit que j'ouvrais la porte, hein. Ça, j'ai pas dit que je le fermais aussi.
Pas du tout. Parce que là, du coup, j'ai la clé du garage. J'ai ouvert ça. Le problème, c'est que pour l'instant, je m'oriente pas dans la maison. Faudrait qu'on essaie d'ouvrir cette porte, mais. Mais comme je l'ai dit, en fait. Le fait est que. Oh, on est là! Le fait est que ça se passe trop bien pour l'instant. Il va forcément y avoir une douille à un moment donné. Je veux dire, c'est un jeu d'horreur. Hein. Genre ce bruit, par exemple. Oh, la porte qui s'ouvre à moitié toute seule. Attendez, on n'a jamais sauvegardé dans le jeu, hein. Ok. Ok. Un marteau. D'accord. Non, elle s'allumait. La clé du garage, bah je l'ai. Donc nique. Ah. Ouais. Bah, ce genre de pièce. Hein. Les voisins. Ok, bon, j'imagine que du coup, maintenant, si on regarde la BD, c'est un peu plus accueillant. Ok. Allez, rentre dans la voiture. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire dans la voiture? Pas l'air d'avoir grand-chose à faire dans la voiture. Peut-être pour plus tard. Par contre, c'est bien parce qu'en fait, je vais à plein d'endroits, mais je sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Enfin, si, il faut que je trouve un truc. Si, à la base, il faut que je trouve un truc pour pouvoir accéder à en haut là. Au miroir du haut. Non, mais je suis pas dans l'obscurité là. C'est bon là. Un briquet. Les briquets servent de petites sources lumineuses pour explorer la maison. Ils servent aussi à allumer des bougies. Bah, prends le briquet. Comment j'utilise le briquet? T'es marrant toi, mais. D'accord. Oh, une ampoule. Yes. Hop, la clé du garage ne nous sert plus à rien. Ok. On a fait un grand tour. Bon là, on a deux ampoules ici. Après, là, l'avantage du coup d'avoir un briquet, c'est qu'on peut essayer d'explorer une zone un peu sombre. Genre ce qu'il y a en bas. Par contre, j'ai encore une zone rouge là, hein, dans mon crâne. Hein. Je pense que c'est le coup de pression que j'ai pris avec les lumières éteintes. Là, j'en suis toujours pas remis moi non plus, donc... Mais par contre, j'ai toujours aucune piste de comment trouver un truc qui permette d'enclencher le la cave, enfin le grenier là en haut. Hein. Je sais toujours pas ça. Hein. Le petit problème que j'ai actuellement, c'est que je sais pas trop où aller. J'ai ouvert là, un peu toutes les portes. Je dois avoir des, bon, y a des endroits où je suis pas allé encore. Mais après, j'ai l'impression d'avoir débloqué beaucoup de raccourcis dans la maison. Donc quelque part, déjà, c'est pas mal. Je me demande si j'avais pas trouvé un autre ingrédient, d'ailleurs. Là, je sais pas si je suis descendu tout en bas. Je crois pas que je sois descendu tout en bas. Là, il y a la télé. Après, il y a toute la partie du haut que j'ai peut-être pas trop visitée. Je fais vraiment le con, hein.
Mais putain, mais... D'accord. C'est tout? Je suis cruellement déçu. Hein. Au secours, quoi. Chaque fois que j'ouvre une porte, c'est toujours plus de ténèbres. De pire en pire. Ah, mais hein? Ah, on est là! Miracle, on est là. Mais il y avait un briquet ici. Incroyable. Ok, bah attends, mais prends-le, prends ton briquet. Voilà. Change de main. Voilà. Cette tasse est vide comme c'est triste. Ah, bah c'est cette tasse qu'il va falloir remplir. J'imagine. En vrai, tu dois vraiment pouvoir faire un chocolat chaud. Ça doit faire un succès à la con. C'est sûr. D'accord. Ok. Bon, ouais, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas, mais en fait, j'ai. J'ai un souvenir. Après, je sais plus si j'avais pas continué et faire un épisode 2, moi, de mon côté. Quoique non, parce qu'il me semble qu'au niveau des sauvegardes, c'est pas ce qu'on voit. Ou alors j'aurais oublié de sauvegarder comme un connard. C'est possible aussi. Hein. Mais... Ah, on n'est peut-être pas retourné ici. Moi, j'avais souvenir d'être allé là. Peut-être un truc à faire ici. Oui. Sûrement avec le miroir. Pas du tout. En tout cas, on a une sauvegarde. On va s'arrêter là. Et on verra pour la suite la prochaine fois. Voilà. Hein, écoutez, comme ça au moins, voilà. Moi, je tourne ça. Alors, je sais pas du tout quand est-ce que ce sera diffusé. Hein, ça va faire partie de mon projet. Voir vidéo où je fais un point, surtout un peu tout mon retour, etc. Mais ça va faire partie donc, du projet de finir un peu ces let's play que j'ai laissé de côté. Parce que j'en ai laissé quelques-uns de côté. Bon, il y a la question de Song of Horror qui se pose, mais... Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais ça a été le cas, à vous abonner si ce ne serait pas déjà fait, à me commenter pour me dire ce que vous avez pensé. Voilà. C'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye.